Entre donc. Pardonne cette ambiance austère, j'ai congédié le personnel. Mais peut-être les as-tu tués en arrivant? Bon, avant de commencer... qui est en face de moi, là? Le fils, revenu disperser les cendres de sa mère, ou le malade, qui sème les cadavres jusque sur ma montagne? Parce que si je parlais au premier, je lui dirais de s'asseoir, d'être courtois et de partager un bon repas. Mais attends, on a déjà essayé, pas vrai? La première fois, tu étais assis là. Paul était occupé à électrocuter les tétons de ton invité très grossier. J'étais debout, juste ici. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, oui. Reste ici. Mange tes raviolis au crabe. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Or, si tu m'avais écouté et que tu m'avais attendu, nous serions venus directement ici, disperser les cendres de ta mère. Alors je dois parler à l'autre AJ, celui qui ne m'a pas écouté, qui est parti et a rejoint les autres macaques pour balancer sa merde partout. Mais tu sais quoi? Je te laisse une deuxième chance. Pour moi, deux choix s'offrent à toi. Tu pourrais me tuer, très original, ou bien tu t'assois. On mange et on va disperser les cendres de ta mère ensemble.